Shalom, shalom à l'éternel Jéhovah, assis sur le trône, cher soit la gloire. N'oubliez pas, je viens de commencer un nouveau programme dénommé la délivrance des enfants. Parce que chaque semaine, j'ai des gens qui se plaignent de l'attitude de leurs enfants. Un enfant qui a insulté son parent, un enfant qui n'écoute plus, un enfant qui fume, un enfant qui fait ceci, qui fait ceci. Comprenez que la bataille est la bataille de la semence. La bataille entre Dieu et le diable est une bataille de semence. C'est pourquoi le Seigneur a dit au serpent depuis Genèse que la semence de la femme brisera la tête du serpent. Maintenant, le serpent est informé que la semence de la femme est faite pour briser sa tête. Donc, dès que l'enfant est encore bébé, le diable vient contre l'enfant. Nous avons vu, Jésus-Christ était encore très petit, déjà à 2 mois, et à 3 mois, Hérode était déjà venu contre Jésus. Cela veut dire que le diable n'attend pas que vos enfants grandissent avant de les enregistrer dans le monde satanique pour les utiliser comme une arme. Une arme contre qui? Contre le royaume de Dieu et contre vous-même. C'est pourquoi vous devez faire très attention. C'est pourquoi apprenez toujours à imposer les mains à vos enfants et à dire, Satan le diable, retire tes mains de mes enfants. Imposez les mains sur vos enfants. Chaque matin si possible, ou chaque soir si possible, ou si vous oubliez 3 fois par semaine, dites par le droit de paternité, je t'ordonne Satan, en retire tes mains de mon enfant. Par mon droit de maternité, c'est ma fille, je ne l'ai pas vendue au diable. C'est pourquoi tu dis, par mon droit de maternité, Satan le diable, retire tes mains de mon enfant Jésus. Retire de tes mains de mon enfant Thierry. Retire tes mains au nom de Jésus. Apprenez la délivrance des enfants commence par les déclarations prophétiques des parents. Regardez, nous avons étudié la première famille, la famille d'Adam, et nous avons vu que Adam n'a jamais enseigné ses enfants sur la voie de Dieu. Et nous avons étudié aussi la famille de Noé, et nous avons vu que Noé n'a pas bien formé ses enfants. Maintenant, aujourd'hui, nous venons sur notre patriarche Abraham. Et nous pouvons voir que Abraham a fait un grand travail sur Isaac. Je donne un exemple. Genèse chapitre 22, à partir du verset 7. Isaac s'adressa à son père Abraham et lui dit, mon père, Abraham dit, qu'a-t-il mon fils? Voici le feu et le bois, dit-il. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Et ils poursuivirent leur chemin tous deux ensemble. Quand il fut arrivé, écoutez ceci, à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel et y disposa les bûches, puis il ligota son fils Isaac. Isaac n'a pas dit non à son père. Isaac n'a pas murmuré. Et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Et Isaac n'était pas bête. Alors Abraham prit en main le couteau pour immoler Isaac. Isaac n'a pas crié. Cela montre que Abraham a bien dressé ses enfants. Il a donné du temps pour communiquer avec ses enfants. Pour les enseigner d'abord la crainte de Dieu, la haine du mal, la crainte de leurs parents, le respect et l'honneur à leurs parents. C'est pourquoi Isaac n'a pas crié. Si vous ne vous croyez que vous êtes dans une civilisation modernisée en Europe, en Asie, en Amérique, et vous ne voulez pas éduquer vos enfants selon la culture, selon les mœurs de la Bible, vous êtes en train de les éduquer déjà contre Dieu et contre vous-même. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, faites comme un exercice. Chaque fois, ça peut être 2 fois par semaine, ou le jour de naissance de votre enfant, si votre enfant est né un mardi ou un jeudi, tous les jeudis, imposez-lui la main. Que le père reste au niveau des pieds et la mère au niveau de la tête. Imposez-lui les mains étant couché. Cette position couchée est une position de soumission.
et déclarer que toute semence qui a été plantée, toute semence de corruption en toi soit déracinée. Et priez pour vos enfants. Vous savez, un enfant mal éduqué, comme le dit Proverbe, est une honte. Pas seulement pour la mère, pour son père et pour sa mère. Et non seulement ça, pour sa maison, sa communauté, sa société, pour le monde entier. Donc prenez du temps à éduquer vos enfants. Je ne sais pas l'argent que vous êtes en train de chercher. Vous avez pris 3-4 travail et vous n'avez pas le temps de communiquer avec vos enfants. Quand vous allez amasser toutes ces richesses, ils utiliseront cela pour acheter de la drogue. Ils vont utiliser ces richesses-là pour faire du désordre. Et quand vous serez au sein d'Abraham, vos yeux seront en train de couler les larmes. Plusieurs sont en train de couler les larmes dans le séjour de la mort, en voyant ce que leurs enfants sont en train de faire avec leur argent, avec leur investissement. Et vous allez voir clairement qu'il y a une différence. Regardez. Abraham s'est marié à plusieurs femmes, plusieurs esclaves. Isaac s'est marié seulement à Rebecca. Jacob s'est marié à plusieurs femmes. Mais Isaac s'est marié à une seule femme. Cela veut dire quoi? Son père l'a bien éduqué d'abord dans la voie de Dieu, dans les mœurs de Dieu, dans les valeurs bibliques. Il a brisé même l'alliance. La Bible déclare que Abraham aimait les femmes teint clair. Jacob aimait les femmes teint clair. Mais nulle part, la Bible n'a dit que Isaac aimait les femmes teint clair. Donc Isaac a brisé même les protocoles maléfiques de sa famille. Parce qu'il a été bien éduqué par son père. Et vous allez voir, quand vous continuez à la fin des jours de Abraham, Abraham a prié pour Isaac. Même lors de son mariage, il a été tellement éduqué que son père a engagé son serviteur pour qu'on lui cherche une femme dans Genèse chapitre 24. Abraham était un vieillard très âgé. L'Éternel l'avait béni de toutes choses. Il dit à son serviteur le plus ancien qui a fait tous ses biens, place ta main sur ma cuisse et jure-moi par l'Éternel, le Dieu des cieux et de la terre, que tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les Cananéens. Parce qu'il sait que les Cananéens sont quoi? Quand on est en train d'étudier l'histoire de Canaan, n'oubliez pas, Cham était le chef des Cananéens. Et c'est Cham et les Cananéens que Noé avait maudit. C'est eux qui ont vu la nudité de leur père. Donc Abraham savait cela. Donc Abraham a éduqué son enfant, et non seulement son enfant, il a éduqué les serviteurs de sa maison. Alléluia. Donc je vais vous donner l'exercice que vous devez faire chaque fois sur vos enfants. Mettez l'huile sur vos enfants chaque fois que vous remarquez qu'ils sont en train de quitter la bonne voie. Vous remarquez une semence. Mettez l'huile sur eux et vous passez l'huile. Et cette semence meurt depuis ses racines. La semence de l'alcoolisme, du tabagisme, la semence des jeux, des films d'horreur, meurt de ta vie. Et en faisant cela, vous allez préserver une semence pure à l'Éternel. Et si vous avez des enfants que vous n'arrivez pas à contrôler, vous ne comprenez pas ce qui se passe, n'hésitez pas à me contacter pour recevoir les consignes de délivrance pour vos enfants. Je vais prier maintenant pour vous. Je prie que la semence de corruption s'éloigne de vos enfants. Que les projections mystiques soient détruites de vos enfants. Que vos enfants ne soient pas enregistrés sur la liste des vagabonds, sur la liste des vauriens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commissionne l'ange de l'éducation sur vos enfants. Que l'ange de l'Éternel dirige leur pas et change leur point d'intérêt. Que vos
les enfants ne s'intéressent pas aux choses du monde, mais s'intéressent aux choses du royaume. Que vos enfants soient attirés par les choses du royaume de Dieu et non les choses du monde, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit les enseigne les barrières, les limites à ne pas passer, les limites à ne pas traverser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, c'était votre homme serviteur, Jeremiah Nahum, sur l'enseignement de la délivrance des enfants. Abonnez-vous, likez la vidéo, demandez une consultation prophétique. Inscrivez-vous à l'école prophétique Les Ailes de la Nation, participez à la construction du temple de l'Éternel et vous verrez la gloire de Dieu. Shalom.